12 jours est le dernier film de Raymond Depardon, sorti en 2017. C'est un documentaire qui est réalisé à la suite de la promulgation d'une loi de septembre 2013 qui prévoit que toute personne internée en hôpital psychiatrique sans son consentement doit être présentée à un juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours. Raymond Depardon révèle la situation de personnes internées dans un hôpital psychiatrique de Lyon à travers ces entretiens inédits entre malades et juges. Autour de moi, il y avait 12 personnes, 12. Il faut de nombreuses personnes pour imposer la contention à quelqu'un. 12 personnes autour de moi pour m'attacher. En 2 minutes, j'avais plus de montre, plus rien. Ça, c'était très violent. C'est un film qui m'a beaucoup touchée. Je me suis dit que c'était émotionnant. Parce qu'il y avait un côté très passionné que je pense Raymond Depardon fait passer dans tous ses films, parce qu'il est passionné tout simplement par ce qu'il fait. Mais aussi, on était pris par les émotions très facilement. On a été tout un groupe à vraiment ne plus savoir si on doit pleurer ou rigoler, parce qu'au début, il y a des situations comiques. Ce qui me fait du mal, c'est de voir que des gens puissent rire alors que ce n'est pas forcément drôle. C'est très profond, ça fait peur, mais en même temps, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que des gens s'intéressent un peu à la psychiatrie, s'intéressent aux gens qui ne sont pas dits normaux, neuroatypiques. Et je suis à fond avec eux, je les soutiens parce que je sais à quel point ça peut être dur. C'est un très beau film, parce que en fait, ça nous montre qu'est-ce que c'est un hôpital psychiatrique et à quel point les gens ils sont en détresse. Je trouve que comment ça a été filmé, je trouve ça juste magnifique. Que entre chaque audition, il y a la vie dans l'hôpital psychiatrique. Le truc qui m'a vraiment marqué, c'est quand dans le jardin où vraiment c'était, il y avait les clôtures, c'était l'homme qui tournait en rond comme un animal qui est enfermé. J'avoue que j'ai pleuré parce que en fait, ça fout un gros coup de massue. Le film de Raymond Depardon montre que les patients n'ont pas vraiment une vraie vie au sein de l'hôpital. Ils sont pourtant ici pour guérir et pour évoluer. Et pourtant, on dirait qu'il n'y a pas de place pour le jeu, pour la joie, notamment quand on voit le plan sur la salle de jeu vide, presque abandonnée. On a aussi les couloirs qui paraissent ternes et notamment le travelling avant qui montre un peu les murs sur le côté, comme si qu'on se mettait à la place du patient. Donc c'est pas un documentaire qui est impartial. Personnellement, ça m'a touchée parce que dans ma famille ou moi-même, j'ai des antécédents. Et j'ai trouvé que la façon de filmer, c'était très beau. L'esthétique, ça a fait toute la beauté du film, je trouve. On a également un plan sur l'extérieur de l'hôpital où un patient fait les 100 pas, tourne juste sur le petit terrain qu'il y a en fait. Il nous montre un hôpital qui serait où la vie n'est pas joyeuse, où le patient est enfermé, presque comme une prison. Bah, finalement, c'est très très triste quand même ce qui est raconté. Et puis il y a ces moments où la caméra est stable et en fait il n'y a pas de personnage qui intervient. Il y a juste une scène du quotidien. Et là, en fait, ce genre de moment-là, au début, c'est intriguant. On se demande si c'est vraiment fait exprès. Et après, au fur et à mesure, on s'y habitue et on se dit que c'est vraiment essentiel au film parce que ça nous raconte tout l'environnement, en fait, de ce qui se passe. Ce que j'aime bien avec Depardon, c'est qu'il nous montre la réalité. C'est pas caché derrière comme une fiction. Depardon se concentre sur le côté de la justice de l'hôpital. Alors qu'on pourrait voir la vie quotidienne, les relations avec les autres patients ou même les infirmiers, les docteurs. Et je pense que c'est le plus important dans la question de la psychiatrie, de la psychanalyse, etc. J'ai pas trop de critiques réellement négatives à faire à propos de ce film parce que j'ai été conquise, mis à part le fait qu'on voit que les juges ne sont pas vraiment formés pour appréhender, pour parler, pour discuter, pour débattre avec des gens en difficulté comme des patients. On peut remarquer que chaque patient a des cas assez semblables puisque la fin de leur audience se termine souvent par
vous devez rester à l'hôpital, comme si on ne pouvait jamais sortir en fait de cet hôpital. Et le film se questionne sur l'utilité du juge aussi, puisque le constat du juge est toujours le même que le constat du médecin, donc de ce qui a été écrit. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a un juge? Pourquoi ne pas laisser les médecins décider pour les patients, tout en gardant un aspect assez juridique? Et pour finir, on peut se demander si les patients ont vraiment un comportement comme ils auraient sans la caméra, puisque la caméra fait quand même changer les comportements, même inconsciemment. Et donc on peut se demander si vraiment les patients étaient sincères lorsqu'ils parlaient.